Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes jeudi 13. Je vous prends là vite fait pour débuter ce nouveau vlog. Donc ça va être un petit rush. Après, je verrai quand est-ce que je vais à nouveau filmer parce que souvent je sais déjà un peu ce que je veux vous montrer ou vous dire dans mon vlog. Mais là, j'ai pas plein de choses pour le moment en tête. Donc ça viendra petit à petit. Donc ce sera peut-être un vlog qui sortira que dans quelques temps si il m'a fallu un moment pour faire différents rushs ou potentiellement si entre temps j'ai d'autres choses à vous dire, peut-être que ce sera rapide, on verra bien. Là je vous prends donc devant toujours mon fameux colo, hein, donc dans le Invitation secrète, livre donc japonais que j'avais commandé sur Amazon Japan. Voilà, il n'est pas fini mais j'ai plus des millions de choses à faire donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Au plus tard demain, si vraiment là j'y arrive pas, parce que bon, j'ai plusieurs trucs à faire, toujours des avis Amazon, faut que je gère les comptes parce que ça fait un moment que j'ai pas fait les comptes et moi j'essaye de suivre ça assez régulièrement. J'ai un logiciel qui s'appelle Budget pour les nuls et qui est franchement pratique pour faire les comptes. Donc là, il faut que je me pose pour faire. Pour faire ça, quoi, que je sorte le PC et que je m'attaque au compte. Donc voilà, là je vais quand même essayer d'abord d'avancer mon colo, voire de le terminer avant de me poser devant le PC. Bref, donc là je suis en train de m'occuper du panier, je suis avec les Prismacolor, donc j'utilise le... Oh là là, la mise au point c'est une galère, hein. Donc le PC 948, j'ai le PC 943... Le PC 1034 et le PC 940, voilà. Et donc, j'essaye tout doucement d'avancer. Si je voulais vous prendre, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles de la situation. Hein. Dans un précédent vlog, je vous avais expliqué que donc, plusieurs quartiers de Marseille se retrouvaient avec des coupures d'électricité, dont le quartier où j'habite. Là, c'était, on nous avait remis l'électricité en place. J'avais de nouveau, depuis hier, un peu d'eau chaude, comme je vous l'avais dit, le problème dans mon immeuble, hein, c'est pas dans tout mon domaine, puisque j'ai demandé à certains de mes voisins, eux, dans leurs immeubles, ils n'ont pas le souci, mais dans le mien, on a un bug avec la VMC. Donc, quand la VMC de l'immeuble, quand en fait, il y a une coupure d'électricité, la VMC se met en sécurité. Et le but d'une VMC, c'est d'éviter que y ait des problèmes, hein, en particulier de gaz quand on a une chaudière à gaz. Il faut que ça puisse aérer et tout. Et donc, la VMC se mettant en sécurité, elle met aussi en sécurité les chaudières de tout notre immeuble. Voilà. Ce qui n'est pas logique en fait, hein. Normalement elle ne devrait pas à chaque fois faire ça, mais bon, on a un bug au niveau de notre VMC dans notre bâtiment à nous, et donc en plus de ne pas avoir d'électricité, on se retrouve sans eau chaude. Alors sans eau chaude, galère pour se laver, hein, même si on est en été, il ne faut pas croire, l'eau complètement congelée c'est pas top. Et galère, ne serait-ce que pour faire de la vaisselle, hein. Moi, j'ai pas de la vaisselle, donc on fait à la main. Et nettoyer du gras sans eau chaude, je peux vous dire que c'est pas évident. Donc voilà, et on avait donc récupéré à la fois électricité et on avait fini par avoir de l'eau chaude. Et en fait, cette nuit, de nouveau, ça a planté. Alors, il faut savoir que à plusieurs endroits de Marseille, dans les quartiers où on a ce problème de coupure d'électricité, Endis, qui gère, hein, électricité, tout ça, a installé déjà au niveau de certains magasins des gros générateurs, de façon à compenser s'il y a une coupure. Hier, je reviens, j'étais allée faire pas mal de trucs avec mon plus grand. On revient et je vois au loin, dans mon domaine, je vois un gros truc bleu. J'entends que ça fait un bruit monstre. Donc, je suis allée voir. Je vous mets d'ailleurs la photo, hein, pour que vous ayez une idée de ce que ça peut être. Je suis allée voir et donc, on a aussi, depuis hier soir, dans notre immeuble, dans notre domaine, pardon, entre les différents bâtiments, nous avons un générateur d'installer. Sauf que ce générateur n'est pas assez puissant. Voilà. Ce qui fait que donc, cette nuit, de nouveau, tout a sauté. Coupure.
Le générateur n'était pas assez costaud pour gérer hein, tous les immeubles qui n'avaient plus d'électricité. En fait, l'électricité a sauté de nouveau dans le quartier, donc personne n'avait. Le générateur a pris le pas à gérer, sauf qu'au bout d'un moment, il n'avait plus assez de puissance, il était arrivé au bout, donc il a sauté lui aussi. Donc de nouveau, plus de courant. Donc je peux vous dire que ça fait une semaine et demie, enfin ouais, ça, non, pas une semaine et demie, ça va faire une semaine qu'on a ces problèmes. Ça fait une semaine qu'on s'embête même plus à remettre l'heure sur les fours, micro-ondes, compagnie. Hein. Ça sert à rien. Mais là, le souci, c'est que donc de nouveau, ça a fait sauter la VMC de mon immeuble. Heureusement, ce n'est pas tous les immeubles qui ont ce problème. Hein, donc les chanceux, mes voisins, qui eux peuvent quand même avoir la chaudière. Donc ça nous a fait sauter la VMC à nouveau. Donc les chaudières de mon immeuble, donc de nouveau ce matin, douche à l'eau froide. Chouette! Et bien entendu, je dois être maudite, je me douche. J'étais bien gelée, hein? Je sors de la douche, je commence à m'habiller et tout. Je veux rincer un coup de la baignoire, hein, réflexe, à chaque fois on sort de la douche, on rince la baignoire. Et là, il y a de l'eau chaude. Je me dis, c'est pas possible. Je sors de la douche, enfin, je viens de me doucher, rien, je sors tout, je rince la baignoire, là, il y a de l'eau chaude. Le gars qui gère pour venir remettre en état la VMC était passé le temps que je me douche, en fait, hein, sachant que je ne mets pas longtemps sous une douche, mais voilà, il devait être en train de gérer tout ça pendant que j'ai pris ma douche. Et le temps de m'habiller et ensuite de vouloir rincer la baignoire, c'était bon. Donc voilà, maudite, hein, j'aurais pu me doucher sans me geler. Mais bon. Donc voilà, donc normalement, on a la plupart hein, dans notre domaine, on a des clims dans nos appartements. Bon, moi j'en ai une, mais qui rame. Enfin, elle était là quand on a acheté l'appart et je pense que là, elle aurait besoin d'un bon entretien. Mais bon, c'est pas dans les budgets du moment et tout, faut qu'on voit, mon mari va essayer de trouver par ses contacts s'il peut pas avoir quelqu'un qui nous ferait ça à pas trop cher. Donc, on n'utilisait pas régulièrement la clim, à part quand vraiment on était en période bien bien chaude. Là, clairement, il fait très chaud, c'est étouffant dans les appartements, et du coup, on peut pas l'utiliser. Donc, voilà. Moi, j'utilise ça qu'Amazon m'avait envoyé, donc que je peux charger, ce qui fait que, à la limite, quand le courant saute, que je ne peux pas recharger, je prends une de mes batteries nomades, puisque je dois en avoir bien une dizaine hein, reçues aussi par Amazon de tous les modèles, toutes les puissances et tout. Donc j'en ai toujours un peu de chargé. Donc au besoin, je recharge mon petit ventilo avec la batterie nomade. Voilà. De même que les téléphones, hein, parce que tout à l'heure, j'avais plus du tout de batterie. Je savais que j'allais vouloir filmer. Il fallait que je recharge. Ah oui, mais pas de jus. Donc voilà. Alors, comment vous dire que pour le colo, c'est galère aussi, hein, puisque par moment, quand voilà, je ne peux pas du tout dire, je vais filmer, enfin, je vais pardon, faire du colo assez tôt le matin ou plus tard le soir, puisque si on ne peut pas avoir d'électricité, je ne vois rien. Voilà, c'est un peu galère. Bon, même si en général, je colorie beaucoup avec ma liseuse accrochée juste au-dessus de mon colo, mais pareil, elle était à plat, donc j'ai pas pu m'en servir. Donc là, j'en ai profité, comme là, on nous a remis depuis ce matin le courant. J'espère que ça va pas ressauter dans la journée. J'ai rechargé vite fait ma petite liseuse, comme ça, si jamais j'avais besoin, j'aurais ça. Et puis, je n'ose plus fermer mon volet de salon. Je vous avais expliqué que je fermais souvent là en été. Un des volets du salon, comme ça me permet d'avoir moins le soleil qui tape et d'avoir moins chaud. Mais je n'ose plus, puisque comme c'est un volet électrique, j'ai peur donc de ne pas pouvoir le rouvrir, ce qui est le cas de pas mal de gens actuellement dans les arrondissements de Marseille touchés par cette coupure d'électricité. Voilà, donc c'est un peu la poisse en ce moment, à ce niveau-là, c'est galère. Bref. Sinon, là, voilà, j'essaye d'avancer, de terminer ce colo parce que j'aimerais bien retourner soit dans le 4 saisons, soit peut-être dans le livre à table, je ne sais pas encore. À voir, j'aimerais bien aussi me faire un colo au feutre à alcool dans, c'est quoi, c'est le trompe-l'œil. Donc, je ne sais pas encore trop ce que je ferai, mais il faut d'abord que je termine celui-ci. Je n'aime pas rester avec des coloriages entamés, ne pas les finir. Il y a des personnes, ça pose pas de souci d'avoir plein de colos entamés. Moi, je bloque avec ça. C'est vraiment rare que j'y arrive. Ça m'est arrivé d'en avoir peut-être deux d'entamés à peu près en même temps. Ah, ben voilà.
Hop, il n'a plus de batterie, donc je vais sortir. Bah non, là j'ai du courant pour le moment. Enfin, quoique j'ai pas essayé de rallumer une lampe depuis un grand moment, mais je pense qu'il y en a encore. Donc je vais vite le recharger tant que c'est possible, hein. Sinon, bah, ce sera batterie nomade. Ouais, donc je disais, ça m'est arrivé hein, d'avoir deux colos entamés en même temps, mais en général, c'était un gros colo, puis genre un vitraux ou. Un colo mystère et je me débrouillais pour les finir en même temps quasiment hein, à quelques jours près voilà mais c'est pas trop mon truc donc là je voudrais vraiment terminer celui-là pour pouvoir passer à autre chose voilà là donc comme je vous ai dit on est le 13 bon on va pas aller ce soir parce qu'il y a des endroits où c'est le 13 hein, qui font feu d'artifice tout ça on va pas y aller ce soir parce que mon chéri est toujours en train d'essayer d'avancer la cuisine mais demain c'est sûr on va un peu bouger et aller voir un feu d'artifice je pense qu'on va aller à Martigues ce sera sympa bon mon fils lui travaille mais logiquement avec un peu de chance on pourrait quand même l'emmener avec nous le soir puisqu'il devrait avoir fini de bosser avant le feu d'artifice. Donc, ce serait sympa là de pouvoir prendre un peu l'air pour ça, de changer la tête parce que entre le bazar de la maison avec les travaux en cours et ces problèmes là en ce moment, voilà, ça ferait du bien, beaucoup de bien. Et puis, bah, je rêvais d'aller à la plage un peu, mais on n'a toujours pas eu l'occasion. On est quoi? Ouais, comme je vous ai dit, voilà, le 13 juillet, je n'ai toujours pas été à la plage. D'habitude, c'est fait depuis longtemps. Hein, au mois de mai, on est déjà à la plage. Là non. Alors j'avoue que je me baigne pas forcément tout le temps, hein, mais au moins pouvoir aller me poser au soleil, tout, un bon bouquin. Ben non, toujours pas eu l'occasion de le faire. Donc j'espère quand même qu'on va pouvoir à un moment ou un autre. Voilà. Et puis ouais, dernier petit truc dont je vais vous parler. Je suis super contente. Amazon m'a envoyé ceci. Un organisateur de bureau, donc ça va être nickel. Je vais vous montrer. Voilà, j'en avais déjà un ici, hein, je vous l'avais déjà montré. Alors faites pas attention au bazar autour, hein. Comme je vous dis, on a des trucs partout qui traînent. Bon là, il y a tout mon matériel, mon matériel colo et tout que je suis en train d'utiliser, mais derrière c'est le bazar. J'en ai dans tous les coins. Il y a du bazar des livres sur le canapé parce que ben, je ne peux pas les stocker là où d'habitude je les mets, hein, les livres de biblio, parce qu'on a mis les trucs de la cuisine. Enfin voilà, j'en ai partout. Mais bref. Donc voilà, j'avais déjà eu cet organisateur-là que je vous avais déjà montré, que j'aime beaucoup. En fait, ça me permet de mettre le matériel que je suis en train d'utiliser pendant que je colorie. Et donc, comme je n'ai pas de bureau, de pouvoir après tout simplement prendre le tout, poser sur ma desserte. Quand j'ai besoin de déplacer, bah, d'enlever tout parce qu'on va manger ou qu'on a besoin de la table. Et donc, du coup, ils viennent de m'en envoyer un autre, qui n'est pas tout à fait le même. Hein. Là, il est arrondi, là, ce n'était pas le cas. Là, j'ai un grand trou là et puis un, deux ici. Là, en fait, j'en ai trois d'un côté et rien de l'autre. Mais franchement, j'adore ce système. Du coup, ici, où ouais, c'est un point où j'ai même du mal à l'ouvrir, voilà, j'ai mes. Petit nuancier de feutre à alcool, hein, les feutres à alcool de chez Action. Bah, comme vous avez pu le voir, maintenant j'ai du mal à tout rentrer et à fermer. Ça bloque, bah, il faudra que je m'y prenne à deux mains. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre ce qu'il y a là, mettre dans les tiroirs ici et avoir deux tiroirs pour mes nuanciers. Ce sera beaucoup mieux. Celui-là, je gère après. Parce que en temps normal, ici, bon, j'ai les trombones qui me servent à faire voilà, les petites étiquettes hein, quand je mets les numéros de mes crayons, les références dans mes trousses. Mais d'habitude, je mets aussi tous mes crayons quand je les utilise et vous savez qu'ils sont assez petits. Là, par exemple, là, je vais y arriver. Hop, j'ai mon blanc Lumocolor. Et comme il n'est pas très grand, si je le mets dans un des compartiments là, franchement, pour le récupérer, c'est une galère. Donc, et puis pareil dans les trousses, après c'est compliqué. Donc je les regroupe ici. Bon, là j'ai que celui-là hein, parce que en ce moment les autres, bah, soit je les ai complètement finis, enfin quasiment, soit ils sont trop grands. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir basculer ça ici, me faire deux étages pour les feutres à alcool et puis bah, pouvoir un petit peu plus trier parce que c'est vrai quand j'utilise beaucoup de gammes de crayons en même temps.
Le truc que je déteste après, c'est devoir trier les crayons. Donc là encore, pour le colo que je suis en train de faire, ça va. Je n'utilise que deux gammes différentes. C'est-à-dire là, j'ai les Black Edition. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux qui sont déjà bien petits. J'espère que ce ne sera pas pareil avec la boîte que là j'ai en commande. Parce que les mines n'ont pas arrêté de se casser. Je les ai utilisées en fait pour faire notamment enfin, d'autres trucs, mais en particulier les écureuils. Et les mines de ces deux-là n'ont pas arrêté de se casser. Une vraie horreur. J'osais même plus les tailler. Enfin, voilà, comme vous pouvez voir, là, ils commencent à être un peu ronds au bout. Parce que j'osais plus les tailler, parce qu'ils n'ont fait que de se casser. Pas de souci avec tous les autres, mais ceux-là, si. Donc. Je sais pas, j'espère que ce ne sera pas pareil avec ceux de la deuxième boîte, hein, que quand même je ne me retrouve pas à chaque fois avec des crayons qui diminuent en un seul colo. Mais donc voilà, là je n'ai que les Black Edition et les Poly, donc j'ai pu les séparer directement hein, en deux compartiments. Voilà, donc ce sera facile après pour les ranger. Mais quand j'utilise 3, 4 ou voire plus de gammes de crayons, puisque si j'ajoute en plus des crayons aquarellables ou autres, c'est très embêtant parce qu'après il faut vraiment tout trier et tout. Alors que là, ben, je pourrais en mettre aussi là. Et après, je sais que voilà, je prends ma gamme, je prends la trousse qui correspond, j'ai plus qu'à ranger, j'aurais pas besoin de d'abord devoir les trier. Voilà, donc petit truc bien pratique. Donc je remercie encore Amazon de m'envoyer ce genre de produit parce que j'adore. Voilà. Bon, ce rush a déjà bien commencé. Il est déjà assez long. Hein. Il y a déjà, ouais, ça me dit plus de 15 minutes de vidéo. Donc, je vais peut-être couper là et vous reprendre à un autre moment. Et puis, bah, essayer de terminer ce colo. On verra si dans un prochain rush, je vous dis que je l'ai fini ou non. Allez, à plus bah, pour moi et à là après pour vous. Je suis en train de faire quelques courses et je tombe sur ces livres. Et là, je viens de voir en fait que bah, moi qui pensais que les colos du 4 saisons étaient entre guillemets uniques pour le 4 saisons, en fait, ils sont aussi dans ce bouquin. On en retrouve pas mal. Donc, j'ai failli hein, m'acheter là un nouveau livre de colos, puis j'ai bien fait de prendre le temps de le feuilleter, puisqu'au final, il y a pas mal de coloriages que l'on retrouve dans le 4 saisons. Et je suis trop contente, je viens de rencontrer Anso Passion 27, donc ravie de t'avoir vue, ma belle. Et maintenant, nous sommes à Martigues pour le feu d'artifice. Salut tout le monde, on est dimanche matin et là on est en route en fait pour aller faire des brocantes à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Et bah voilà, j'ai trouvé ce petit coin super mignon là. Donc je voulais vous montrer un peu ça. Ça doit être cool là d'habiter là. Hein. Et franchement, ça me donne envie d'aller un petit peu me rafraîchir parce que bah, on crève de chaud. Voilà. Vous les voyez les tout petits canards là-bas? Petite brocante donc avec mon fils et mon homme. Bon, à part des livres Buffy, on n'a rien trouvé. J'ai été tombée sur ces tampons, mais il n'y en a pas un seul qui m'a tenté. J'ai une nouvelle fois retrouvé Johanna, Jo en couleur, pour aller boire un petit coup et faire les magasins tout en parlant colo. Voilà, donc les travaux ont vraiment bien avancé. Hein. Mon homme, mon fils ont réussi à enlever la résine noire qu'on avait mis il y a un bon bout de temps sur le sol, mais qui ne tenait pas, donc c'était vraiment immonde. Donc bon, on va laisser hein, le sol d'origine, vu qu'on aimerait partir un jour, donc on ne va pas tout refaire non plus. Le plafond, ça y est, il est en état, c'est plus craqué nulle part, donc ça c'est top. Ils sont en train d'installer les meubles qu'on a trouvés en occasion. Bon, comme vous pouvez le voir là-bas, c'est le bazar, hein, dans le fond, dans ma véranda, là, c'est pas mieux. Il y a encore un peu de boulot, mais c'est déjà, voilà, déjà une bonne avancée. Ça t'intéresse, hein, Moonlight, tout ça. Donc là, ils ont posé le plan de travail qui a été acheté. Il va falloir donc qu'ils qu'ils fassent les découpes et tout pour pouvoir mettre le nouvel évier. Mais franchement, déjà, c'est beaucoup plus lumineux que ce qu'on avait avant. C'est pas du hyper moderne, mais c'est déjà, franchement, un grand changement. Voilà. Alors du coup, comme je vous le disais, je risque pas de colorier en ce moment, hein, parce que voilà, il n'y a plus de place sur la table, il n'y a plus de place là-bas, il y a vraiment tout, on a été obligé de tout entreposer où on pouvait pour le moment. Il fait encore super chaud, donc je suis obligée de garder un des volets fermés parce que c'est une étuve, et là, voilà, je peux pas gérer, mettre un ventilo et tout, il y a trop de bazar, ça déplace de la poussière, j'en ai partout, voilà, il y en a partout, partout, partout. Voilà, donc heureusement que ma fille est encore en camp pendant quelques jours parce que, comme vous pouvez le voir, sa chambre sert d'entrepôt. Il y en a de partout. Bon, dans la chambre des garçons, il en reste un peu là qui traîne. Il y a encore quelques trucs, quelques morceaux de meubles là-haut, mais c'est déjà mieux. Sauf que mon petit dernier rentrant ce soir, j'espère qu'on aura le temps de remettre la chambre en état. Et coucou, alors nous sommes le 21, j'ai pas trop filmé ces derniers jours, j'étais un peu prise. Là, je vais vous parler un peu lecture. Là, j'ai lu pas mal de choses en ce moment. Je participe d'ailleurs à un challenge lancé par mon fils. Alors sur Insta, c'est son pseudo, c'est Démo et des couleurs. Et il a lancé sur Discord un challenge pour essayer de vider notre pal durant l'été. Voilà, d'essayer de lire pas mal durant l'été et de diminuer notre pal. Je crois que ça a lieu jusqu'au 27 août, il me semble. Je ne peux pas lui demander, il n'est pas là. Mais voilà, je crois que c'est jusqu'au 27. Donc voilà, on lit le maximum. Et en fait, on va totaliser hein, tous les membres de ce challenge. On totalise ensemble les pages que l'on a lues, le total de pages que l'on aura lues. Et le but sera d'essayer l'année prochaine de battre ce score. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai lu ce livre qui fait 185 pages. Voilà, donc je préviens que j'ai lu ce livre 185 pages. Et donc, au fur et à mesure, toutes les personnes faisant ça, mon fils va totaliser toutes les pages lues durant ce challenge, durant la période du challenge, hein, juillet-août. Et voilà, et l'année prochaine, on verra si on arrive à battre ce score. Et c'est super motivant parce que ça permet de se dire on lit à plusieurs, même si on ne lit pas forcément les mêmes livres, mais on essaye de vider notre pal. Sachant que, si ça vous intéresse, hein, je vous mets donc son pseudo et tout, n'hésitez pas à aller le contacter, à voir pour être pris sur Discord, enfin à vous mettre dans le challenge sur Discord, parce qu'il y a des petites
Des petits challenges en plus, c'est-à-dire qu'il a fait des listes, si vous allez lire, un livre où ce sera un manga, une BD, un roman, c'est des petits trucs en plus, des petits paliers en plus à essayer de franchir. Il y a aussi des thèmes, des romans par couleur, il y a différentes choses. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc du coup, on va commencer avec ce roman que j'ai terminé il y a quelques jours. Donc là, c'est un livre de Suzanne Hill. Donc comme vous pouvez le voir, c'est elle qui a écrit La Dame en Noir. Alors La Dame en Noir, moi je n'ai pas lu le livre, j'ai juste vu le film avec Daniel Radcliffe que j'avais bien aimé. Donc quand je suis tombée sur le bouquin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Donc là, c'est La Main de la Nuit. Donc comme je vous ai dit, hein, moins de 200 pages. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à l'avancer. Enfin, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Un peu plus de temps que prévu. Disons que je suis restée dessus pendant 2 jours, donc ça a été quand même assez rapide, mais 2 jours où voilà, je lisais, j'arrêtais, je lisais, je reprenais parce que j'avais un peu de mal sur la façon dont c'est écrit, c'est-à-dire qu'on a quasiment que du récit. Voilà, le héros, entre guillemets, qui est là à faire du récit pour expliquer hein, ce qu'il est en train de vivre ou autre, et il y a très peu de dialogue. Et c'est vrai que c'est une façon d'écrire que je n'apprécie pas forcément. Moi, j'aime bien quand il y a de l'interaction entre les personnages, quand on va avoir du dialogue, quand il n'y a pas que des descriptions ou du récit. Bon, là, j'avais un peu de mal à ce niveau-là, mais ça, c'est au goût de chacun. Après, c'est très, très bien écrit. C'est franchement chouette. On va donc suivre. Alors, je sais même plus son prénom parce qu'entre-temps, j'ai lu d'autres choses. Voilà, Adam. On va suivre Adam, donc qui est un homme passionné de livres et tout, qui cherche d'ailleurs hein, pour. Des particuliers ou autres, ils cherchent des livres bien spécifiques, vraiment genre des trucs très rares, des anciens manuscrits, des choses comme ça, voilà. Et en allant un jour, justement, il avait un rendez-vous quelque part, il va passer devant une très vieille maison qu'il va appeler la Maison Blanche, qui va l'intriguer, il va rentrer parce qu'il va voir en fait que c'est un peu en. Laissé à l'abandon, il va rentrer dans le jardin, il va commencer à aller voir un peu, et il va sentir d'un coup une petite main se glisser dans la sienne, lui prendre la main, alors qu'il n'y aura personne à côté de lui, donc il va tout de suite penser assez rapidement à un esprit, une main qui a l'air d'être une main d'enfant et qui n'a pas l'air d'être méchante et rien, hein, qui a l'air de lui prendre la main, voilà, tout gentiment. Donc ça va un peu l'intriguer, ça va rester dans ses pensées pendant longtemps. Il va commencer à chercher un peu des infos sur cette maison. Et voilà, il va tomber sur des choses un peu, comme je vous dis, un peu intrigantes, parce qu'il s'est passé un événement dans cette maison. Il y a eu des choses. Et petit à petit, il va être comme. Pas hypnotisé par cette maison, mais voilà, il va penser plus qu'à ça. Il va vouloir savoir un peu ce qui s'y passe, enfin, ce qui a pu s'y passer. Et surtout, il va ravoir de temps en temps cette sensation de cette main qui vient se glisser dans la sienne. Voilà. Donc, on part vraiment sur une histoire à base de fantômes et c'est très intéressant. Surtout la fin, qu'au bout d'un moment, on voit peut-être un petit peu venir, mais sans être tout à fait sûr. Enfin, voilà. Mais du coup, ouais, la fin est très, très bien. Voilà. Donc, un bouquin sympa, même si le style en lui-même n'est pas tout à fait. C'est pas le genre d'écriture que j'aime particulièrement, mais j'ai quand même apprécié de les lire parce que l'histoire en elle-même était plutôt pas mal. J'ai lu Emmurée. Alors, ce livre, c'est mon fils qui me l'avait déniché. En fait, une des dernières fois où on est allé à la Bibli, il m'a trouvé plusieurs romans. Rayon soit plus ado ou même jeune adulte ou dans le rayon adulte, il m'a dit tiens moi je lirais bien ça et tout mais comme là j'ai trop de bouquins à lire, regarde si toi ça peut t'intéresser. En fait du coup ça lui permet de savoir hein, après une fois que moi j'ai lu si vraiment c'est un truc qui me plaît et en général on a les mêmes goûts donc qui va lui plaire ou si au final heureusement qu'il ne se l'est pas rajouté dans sa palle. Voilà. Donc Emmurée, celui-là je l'ai adoré. Adoré et du coup j'ai fait des recherches au niveau de ce livre. Donc là, nous avons une jeune fille qui avec son meilleur ami vont télécharger une appli version Ouija et commencer à essayer un peu d'entrer en contact avec les esprits. Ouais, je suis pas mal restée dans cette optique-là en ce moment. En particulier, elle va vouloir avoir des infos sur
une de ses cousines décédée, et d'ailleurs une cousine qui a un frère, une sœur, chez qui justement elle va là aller en vacances. Donc voilà, elle veut avoir un peu des infos sur sa cousine décédée avant d'aller voir le frère et la sœur de celle-ci. Et de suite, hein, dès les premières pages, avec cette appli Ouija, ça va, voilà, ça va avoir des conséquences, le fait d'avoir utilisé ça. De suite, ils vont se retrouver plongés dans le noir, il va y avoir un drame qui va arriver, voilà. Notre Héroïne héroïne va aller voir ses cousins-cousines, dans une ambiance, dans une maison où c'est un peu bizarre, l'ambiance est bizarre. Il faut pas laisser le portail ouvert passer une certaine heure. Il n'y a pas de rideau à des endroits. Puis il y a d'autres pièces qui font un peu sinistre. Voilà. La plus jeune donc de ses cousines qui est née après le décès de Rebecca dit voir le fantôme de Rebecca. Alors que en plus elle ne l'a pas connue. Donc à part à travers des photos, elle ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Et il y a toute une histoire de poupées qui s'appellent les Frozen Charlotte. Où donc la plus jeune des cousines explique que ses poupées parlent, essayent de s'échapper de la vitrine, voilà, font faire des mauvaises choses aux gens, enfin voilà. On part vraiment dans une optique comme ça, de poupées possédées, de fantômes de la cousine, de planches Ouija, de plein de trucs, voilà, on est dans une ambiance vraiment dans ce genre-là. C'est très captivant, et surtout, j'ai cherché l'histoire des Frozen Charlotte, ces petites poupées existent réellement. Donc, ce sont vraiment des poupées très petites, très très petites, qui ont été créées suite justement au décès d'une jeune femme s'appelant Charlotte il y a pas mal de temps, qui est morte de froid un peu par vanité. Elle ne voulait pas se mettre un manteau ou quoi que ce soit au-dessus de sa très belle robe lorsqu'elle allait avec son amoureux, je crois que c'était en plein hiver, à un bal et tout. Et donc pendant le trajet, elle est morte de froid. Du coup, on a créé plus tard ces petites poupées qui la représentent entre guillemets, qui sont faites d'une pièce, qui sont nues pour que les enfants à l'époque puissent s'amuser à leur créer des petits vêtements ou autres, qui ont servi alors aussi bien de glaçons que de jouets, qui pouvaient être vendus dans des cercueils. Enfin voilà, il y a un côté un peu morbide à tout ça. Ça a même servi aussi de fèves dans les puddings de Noël, voilà, bon, et ces petites poupées sont vraiment assez glauques. Enfin, moi, en ayant cherché, voilà, j'ai trouvé ce concept un peu glauque, hein, d'avoir fait, entre guillemets, des jouets d'une histoire d'une jeune femme morte de froid, voilà. Et puis, je vous dis, elles sont pas très grandes, vendues parfois dans des genres de cercueils. Voilà, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment assez glauque. C'est pas le truc que je prendrais pour mes enfants. Et donc, cette histoire est basée là-dessus. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas fan du tout des ambiances de poupées tueuses ou de choses comme ça, passez votre chemin. Mais franchement, sinon, ce livre est une petite pépite. Voilà. J'ai lu aussi des BD. Donc, Brindy, tome 1 et 2. Là, on va donc suivre cette jeune fille, Brindy, qui... alors, déjà, je voulais vous montrer les illustrations parce qu'elles sont vraiment chouettes. Moi, je les ai beaucoup aimées. Oups, si je lâche tout. Je trouvais ça très, très sympa. Donc voilà, on suit Brindy qui, d'un coup, se réveille, ne sait plus forcément qui elle est ni quoi. Donc il faut vraiment lire les deux, hein, pour avoir l'histoire en entière, qui va donc être un petit peu pris sous l'aile d'un petit peuple. Alors je ne sais même pas s'ils avaient un nom, mais voilà, ces petits personnages qui vont essayer un petit peu, hein, de l'aider et tout. Brindy en fait fait des petites étincelles au-dessus d'elle, on ne sait pas pourquoi, donc c'est pas très discret. Et elle va essayer petit à petit de savoir qui elle est, ce qui lui est arrivé, surtout qu'elle aura des flashbacks de scènes de guerre, de choses comme ça, donc elle ne comprend pas. Et donc, au travers des deux tomes, on va finir par savoir qui elle est, ce qui a bien pu se passer, voilà, c'est vraiment, on va avoir le cheminement pour savoir qui elle est, et c'est très très sympa avec de très belles illustrations.
Désolée, mon chéri rentrait, donc j'ai préféré couper pour parler avec lui 2 minutes. Après, j'ai lu le tome 1 d'Amelia Woods. Donc là, on a Amelia, qui est une scientifique, qui vient dans un coin un peu isolé, étudier les oiseaux. Elle va aller habiter en attendant chez, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Lady M, Lady Aimée. Ouais, alors je sais pas si on dit Aimée ou M, Heme, voilà, bon. Donc elle va habiter voilà, chez elle en attendant, rencontrer les autres occupants. Et donc la particularité d'Amelia, c'est que depuis que sa mère est décédée, elle a des sortes de visions, en particulier dès qu'elle touche quelqu'un. Voilà, elle a des visions, donc elle essaye de moins toucher les personnes. Et voilà, là elle vient juste pour étudier les oiseaux, sauf qu'au final, bah, elle va se rendre compte pendant qu'elle est accueillie voilà, par cette lady. Que, il y a des événements étranges qui se passent là-bas, un peu, voilà, vraiment des événements mystérieux, et que bah, les éléments de son passé à elle, ils seraient peut-être pour quelque chose, elle serait un petit peu liée à tout ça, et on va avoir tout un côté magique qui va se mélanger bah, à ses visions à elle, à, voilà, et elle va en apprendre un petit peu plus sur elle. Sauf que, bah, comme là, je n'ai lu que le premier tome, ben, j'en sais pas plus que ça. Enfin, j'ai appris quelques trucs, mais je n'ai pas toute l'histoire. Donc, il faut vraiment que je me trouve les autres tomes. Encore une fois, au niveau des illustrations, on a vraiment un très très bel univers, un très très beau, enfin, de très très belles illustrations, un très très beau décor de mis en place. Voilà, je trouvais plus mes mots. Moi, je trouve ça sublime. Et on se plonge de suite au cœur de l'histoire. On a tout de suite ce côté magique qui arrive. Et on se rend vite compte que cette lady chez qui elle est un peu particulière. J'ai lu aussi les tomes 1, 2 et 3 des sœurs Grémillet. Et là, j'ai adoré. Franchement, ce sont des petites pépites. Bon, encore une fois, j'ai tout d'abord craqué pour les illustrations. Donc voilà, là au début. Ces petites méduses là, elles sont magnifiques. C'est vraiment très très beau. Chaque tome est consacré en fait à l'une des sœurs. Donc là, on va commencer avec Sarah. Ensuite, nous aurons Cassiopée et Lucille. Chacune a vraiment son caractère. Sarah va être un petit peu plus réfléchie. Bah, c'est l'aînée. Elle va peut-être être plus têtue aussi par moment, je dirais. Elle a vraiment son côté bah, de fille aînée qui est là, elle est peut-être un peu plus directive. On a Cassiopée qui est vraiment dans son monde où elle est plus basée sur l'amour, la rêverie, elle attend le prince charmant, voilà. Et on va avoir Lucille qui, elle, est une amoureuse des animaux, qui ne vit que pour les animaux, qui parle beaucoup plus avec les animaux et très peu avec les humains, enfin voilà. Et donc, dans chaque tome, on va partir un peu bah, dans une histoire où donc les trois sœurs seront ensemble, on va avoir forcément des chamailleries, des choses comme ça, mais où en même temps on part sur l'univers un peu de chacune. Donc là, dans le rêve de Sarah, bah, on va vite voir que Sarah fait des rêves où il est question voilà, de ces petites méduses. Elle se réveille toujours avant la fin du rêve, donc elle ne sait pas trop le pourquoi du comment. Elle va essayer de poser quelques questions sur enfin, à sa mère, sur son passé et tout, parce qu'elle sent qu'il y a peut-être un rapport, voilà. Et là, on va en apprendre un petit peu plus bah, sur cette histoire, ce rêve, d'où il vient, pourquoi, comment. Et on va comprendre que ça a un rapport bah, du coup avec leur famille. Les amours de Cassiopée, bah, là vraiment, on est sur le côté amoureux et tout. Elles sont en vacances chez leur grand-mère. On va se rendre compte que la grand-mère, elle perd un peu la boule et ainsi de suite. Il y aura une histoire de fantômes. Elles vont mener l'enquête hein, parce que les filles aiment bien mener l'enquête. Et au milieu de tout ça, donc Cassiopée va être un peu partagée entre un amour de vacances, un amour bah, chez elle vraiment. Enfin voilà, on a tout ce côté-là qui vient se mélanger. Et dans le trésor de Lucille, donc là, elles sont en colonie de vacances et elles vont en fait bah, un petit peu aider Lucille parce que il va y avoir une de leurs ancêtres qui serait venue hein, dans ce lieu où elles sont en vacances. Je ne sais plus si on voit un petit peu plus sur justement leur lieu de vacances. Bon, on voit que vraiment il y a la mer et tout, mais ouais, non, on n'en voit pas forcément beaucoup plus sur le lieu de vacances. Bon, donc elles vont essayer un petit peu voilà, d'en savoir plus sur leur ancêtre, qui d'ailleurs ressemble pas mal à Lucille, qui avait l'air d'être un peu comme Lucille, un peu à part, ne pas trop se mêler aux autres et tout.
Et en même temps, il y a une baleine qui va s'échouer. Donc Lucille va vouloir aider cette baleine en étant au départ un peu mise à part par les autres du camp de vacances, enfin de cette colo, parce que bah, elle est très animaux et tout, et les autres ne comprennent pas le pourquoi du comment. Puis finalement, voilà, tout le monde va un peu essayer d'aider les animaux eux aussi, et on part vraiment sur ce côté bah, amour des animaux, de la nature et tout ça. Donc chaque jeune fille a vraiment son caractère, et donc chaque BD part dans un univers différent. C'est très sympa à lire et très rapide à lire. Du coup, j'ai dû couper un peu brusque hier. Donc là, je vous reprends. On est samedi 22. Je suis en plein colo. Comme vous pouvez le voir, je suis retournée dans mon mastic mousse. Donc là, celui avec les fleurs. Hein. Je suis désolée, hein, je ne saurais jamais prononcer comme il faut le nom, mais bon. Donc j'en ai terminé un déjà dedans et là je me plonge dans celui-ci. J'ai fait une base feutre à alcool, hein, comme à chaque fois que je vais dans ce genre de livre. Maintenant ça me plaît bien de faire ça. Et là avec les Chromaflow, bah, je suis en train de mettre une bonne couche de crayon par-dessus tout ça. Voilà. Du coup, je vous ai là parlé pas mal de lecture juste avant. Enfin juste avant, hier, mais pour vous juste avant. Et en fait, hier, j'ai terminé un bouquin et je voulais de suite vous en parler parce que je l'ai vraiment kiffé. Il s'agit de ce livre, Dans ton camp, à défaut d'ailleurs. Alors, quand on voit comme ça, avec les petits dessins et tout, on pourrait se dire que c'est un livre basé plus enfant, mais non, pas du tout, hein. On va éviter de mettre ça dans les mains des gamins. On est vraiment dans une histoire plus pour adultes parce que les textes peuvent être un peu crus. Donc en fait, ce sont trois amis écrivains qui ont fait ce bouquin, qui ont collaboré ensemble pour le faire. Donc nous avons Émilie, Geoffrey et Sonia qui en fait vont inventer, enfin ont inventé une histoire dans laquelle ils se retrouveraient bah, à l'époque où ils étaient ados, tous ensemble dans une colonie de vacances, d'où l'ambiance, voilà, feu de camp, tout ça. Et on va avoir en fait une histoire qui est écrite de façon comme moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que voilà, là c'est Émilie qui parle, hein, donc ils ont gardé leur vrai prénom hein, pour faire les personnages. Là nous avons Sonia, nous allons avoir Geoffrey. Voilà, en fait à chaque fois qu'on passe bah, d'un perso, mais donc écrit par l'un des auteurs, d'une représentation, on va dire, d'eux-mêmes enfants. Bah, chaque fois, ce sera vraiment écrit qui est en train de raconter, de parler. Donc les chapitres sont assez courts, ça se lit très vite. Donc voilà, l'histoire étant qu'ils imaginent hein, ce que ça aurait pu donner s'ils s'étaient rencontrés pendant une colonie de vacances. Donc la colonie de vacances qui doit se passer en Corse. Donc ils se rencontrent au moment où ils vont partir. De fil en aiguille, voilà, ils vont devenir entre guillemets amis. Hein, ils vont commencer à discuter ensemble, à faire connaissance et puis à traîner un peu ensemble. C'est très sympa parce qu'en fait, chacun des personnages va avoir vraiment son caractère propre, sa façon de vivre l'expérience et tout. Donc on a Émilie qui va être la jeune fille qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui donc a une licorne en peluche qu'elle appelle Georgette, qui la suit partout. Pauvre Georgette, elle va subir pas mal de choses, il va lui arriver pas mal d'aventures. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas forcément pris la bonne couleur. Donc voilà, et Émilie est plus du genre je m'en fous un peu de ce que pensent les autres, je suis capable de tenir tête aux besoins, voilà, elle a ses goûts, sa façon de s'habiller et tout, et elle se laisse pas faire, hein. Elle a pas la langue dans sa poche. Nous allons avoir Sonia qui elle est vraiment dans un monde de bisounours. Elle est plus naïve, plus calme. Voilà, elle a tendance à vraiment se préoccuper de ce que vont penser les autres. Et nous avons Geoffrey. Donc, comme je vous disais, donc là, ça représente Émilie. Là, ça représente donc Sonia. Et nous avons Geoffrey, représenté par ce magnifique dessin, qui lui est un jeune homme qui n'a pas forcément un physique pour lui. Hein, enfin, voilà. Il n'est pas top canon comparé à certains qui sont dans la colo. Et il a un côté quand même, voilà, il aime beaucoup sortir des vannes. Et il a un côté un peu, alors pas tout à fait, enfin,
C'est marqué comme étant, voilà, Geoffrey, le petit pervers, hein, on va dire, de la bande. Donc là, vous avez, hein, en fait, les auteurs. Mais ouais, il a un langage un peu cru par moment. Il aime bien mater un peu les filles, voilà. Hein, il est dans l'âge où on pense à ça et où il ne s'en cache pas forcément. Voilà. Et donc, ça va être assez amusant au niveau des dialogues et tout. On est vraiment dans de la bonne humeur. Donc, comme je vous disais, pas à mettre dans les mains des gamins parce que, voilà, hein, le langage peut être assez cru. On va avoir un côté, ce petit groupe qui en a marre parce qu'il y a trois bimbos qui sont là, qui se pavanent. Donc, on a ce côté-là, hein, différence entre les différents clans. Et mélangé à tout ça, on va avoir un petit peu un côté paranormal, fantastique, qui va arriver, un petit côté gore, hein, il va y avoir des morts, voilà. Il y a tout ça qui vient se mêler à cette colonie qui donc aurait pu être très zen et qui finalement va tourner un peu au vinaigre, on va dire. Mais c'est vraiment très très sympa à lire. Moi j'ai adoré ce côté vraiment où on a ces trois protagonistes totalement différents. Qui vont finalement être ensemble, traîner ensemble. C'est très très sympa. Et comme je vous disais, la pauvre Georgette, hein, la licorne, va en voir de toutes les couleurs. Va lui arriver quelques mésaventures et c'est très très amusant. Voilà. Sinon, si là je voulais filmer pour. Je vais terminer ce vlog, là ça va être le dernier rush. Déjà, oui, parce que je ne vais plus pouvoir trop filmer aujourd'hui. On va aller récupérer ma fille qui revient de son camp scout. Donc, ça allait bien l'histoire dans ton camp. On a déjà récupéré mon petit dernier là il y a 2 jours. Donc, lui, il va très bien. Mais là, il va falloir qu'on aille récupérer ma fille dans quelques heures. J'espère que ça va parce que je sais qu'il y a eu quelques soucis à son camp. Elle a quelques gamines qui n'ont pas été franchement cool avec elle et il y a eu quelques soucis. Des mômes qui ont fait des bêtises du style je mets des grosses pierres sur la route pour embêter les voitures et donc ma fille avait peur vu qu'elle est la plus âgée du groupe que ça lui retombe dessus alors qu'elle ne faisait rien et qu'elle a essayé de les dissuader mais voilà. Des remarques et des phrases très limites qui ont été dites. Enfin voilà. Donc je sais que pour elle ça n'a pas été forcément évident. Donc là, on va aller la récupérer. J'espère que ça ira. Mais donc voilà, c'est pour ça que je vais mettre un terme à ce vlog parce que après, il sera assez long et aujourd'hui, j'aurai plus le temps de filmer. Bref, donc là, si je voulais vous reprendre vite fait, c'était pour vous remercier. Ça y est, nous avons passé la barre des 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube et franchement, j'en reviens pas parce que quand j'ai décidé de la lancer, alors je sais plus il y a combien de temps, hein, ça je saurais pas vous dire. Mais j'étais franchement pas sûre de moi. Vraiment pas. J'avais un gros doute sur l'idée de me lancer. Et puis finalement, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, ça peut permettre de partager plein de choses avec plein de personnes, de discuter, d'avoir voilà, des commentaires, des avis sur ce que je fais en colo. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Et là, voilà, assez surprise de voir que nous avons passé la barre des 3000 abonnés. Du coup, j'ai envie de lancer un petit concours pour vous remercier. Donc, concours que je lance ici. Pour cela, alors, je termine juste ce petit bout. J'ai choisi un lot voilà, que je pense peut être intéressant. Je veux vous faire gagner cette lampe. Voilà. Donc, c'est une lampe pour bureau, table, tout ça. Vous la fixez. Il y a un système de pinces hein, pour pouvoir la fixer. Elle est neuve, hein, pas de souci. Elle a une valeur de 69,99 € au moment où je vous parle. Elle dispose, donc c'est une lampe, j'ai pas précisé, une lampe à LED. Hein. Elle dispose de pas mal de réglages possibles. Vous avez déjà 5 modes de couleurs, donc vous pouvez passer, sélectionner hein, du jaune au, enfin on va dire du chaud au froid, enfin du jaune au blanc. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 intensités. Elle a ouais, une grande surface d'éclairage, donc ça c'est plutôt cool hein, quand on fait du colo. Vous pouvez régler en fait en hauteur le col, puisque le col étant un col mais rigide, mais enfin le cou, le col, ouais, je sais pas trop comment on dit sur la lampe, est rigide, mais vous pouvez le. Il est un peu flexible quand même, donc vous pouvez le régler et tout en fonction de vos besoins. La lampe est tactile, donc les boutons et tout sont tactiles. Vous pouvez passer très facilement, il y a un bouton qui vous permet de passer du mode
luminosité travail au mode de luminosité un peu plus zen pour la lecture. Que vous dire d'autre dessus? Bah oui, là au niveau de son socle, de la partie là que vous avez qui arrive sur la table, elle a deux ports USB, hein, un port USB et un port USB-C qui peuvent vous permettre donc de charger en même temps votre téléphone ou autre chose. Voilà. Et donc j'ai décidé de vous permettre de la gagner. Alors, c'est un concours qui est ouvert à partir de là, maintenant, hein, jusqu'au 5 août, puisque moi, après, je vais partir en vacances, donc au moins, ça me laissera le temps, ça vous laisse, vous, le temps, hein, jusqu'au 5 août minuit de participer. Moi, il faudra, je rentrerai quelques jours sûrement après, donc vous n'aurez pas de suite les résultats, hein, mais comme ça, moi, j'aurai le temps de gérer, de vérifier, hein, si vous avez bien appliqué toutes les... tous les paramètres en fait pour pouvoir participer et puis ben, je ferai le tirage au sort. Donc ça ce sera ouais la semaine après vous aurez les résultats, hein, le temps que j'ai le temps de faire tout ça, de vous dire qui a été tiré au sort. Donc le concours est ouvert à la France, à la Belgique et au Luxembourg et ben, il vous faudra pour pouvoir participer avoir un point relais vers chez vous parce que j'enverrai la commande en point relais parce que chez moi ce qui est colis via la poste, hein, Colissimo, tout ça, c'est une vraie horreur donc je préfère éviter. J'ai rarement eu des soucis avec Mondial Relais, beaucoup plus avec la poste donc ce sera avec Mondial Relais. En plus bon c'est vrai que ça me revient quand même un peu moins cher, hein, parce que la lampe a quand même un bon poids donc par Colissimo tout de suite ça douille un peu. Donc voilà, il faudra que vous ayez un point relais mondial relais vers chez vous pour pouvoir participer. Et les conditions sont donc de liker cette vidéo, d'être abonné à ma chaîne YouTube, donc cette chaîne-là, d'être abonné à mon compte Instagram, donc voici le pseudo, et bah de m'indiquer ici sous cette vidéo en commentaire votre pseudo Insta pour que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné à Insta, de même que bah, voilà, hein, je vérifierai que vous êtes bien abonné avec votre pseudo YouTube. Donc voilà, vous me mettez ça en commentaire sous cette vidéo, mon pseudo YouTube c'est ça, mon pseudo Insta c'est ça, pour que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné. Voilà, facultatif, vous pouvez partager le concours, hein, la vidéo et tout, sur vos réseaux sociaux, voilà, mais ça c'est facultatif, bon c'est sûr que ça peut être sympa, ça fera connaître un peu ma chaîne, mais voilà, ça ce n'est pas obligatoire. Donc je vous redonne les étapes, déjà disposer d'un point mondial relais vers chez vous, un concours ouvert France, Belgique et Luxembourg, et liker la vidéo, être abonné à la fois à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta, me laisser sous cette vidéo vos pseudos YouTube, Insta, et puis facultatif, vous pouvez partager. Voilà. Donc, j'espère que ce concours vous plaira, que le lot vous plaira, et puis que ça vous sera utile. Moi, je vais maintenant essayer d'avancer un petit peu mon colo. Comme je vous dis, après, je vais aller récupérer ma fille. On commence à voir un peu le bout des travaux, donc c'est plutôt cool, hein, vu que bientôt, on part en vacances. Et puis voilà, je vais continuer. Là, j'ai un nouveau livre en route. Donc, continuer à bouquiner un peu parce que en ce moment, j'ai vraiment envie d'avancer plein de livres. Autant, j'ai pas trop une pâle au niveau du colo, mais autant, j'en ai une au niveau des lectures. Voilà. Bref, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous propose donc de liker la vidéo et la partager. Vous pouvez, je dis ça si vous ne voulez pas participer au concours, mais vous pouvez quand même vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir une notification qui vous prévient dès que je mets une nouvelle vidéo. Laissez-moi vos petits commentaires. N'hésitez pas à participer au concours et moi, je vous laisse. Allez, ciao !